Ce sont des retrouvailles qui ont fait très plaisir à Marion Bartoli. Le 26 juin dernier, l'ancienne championne de tennis a revu un très célèbre acteur américain lors d'une avant-première très chic à Abu Dhabi. Si est-il une amitié aussi surprenante qu'inattendue qu'est en train de lier Marion Bartoli avec un célèbre acteur américain? L'ancienne championne de tennis a connu une carrière très riche dont le point d'orgue restera certainement sa victoire à Wimbledon en 2013. Depuis, elle a parfaitement su se reconvertir dans les médias et on la retrouve très régulièrement sur les ondes de RMC où elle distille ses analyses pertinentes. À côté de son activité professionnelle, la jeune maman de 38 ans est également une personnalité qui aime se rendre à des événements prestigieux et s'y estime ce qu'elle a fait le 26 juin dernier en se rendant à l'avant-première du film Mission Impossible, Dead Reckoning, qui s'est tenu à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. L'occasion pour Marion Bartoli de croiser la vedette de la franchise, Tom Cruise, qui au fur et à mesure des années est devenu un ami. Et juste comme ça, nous sommes réunis, écrit-elle en légende d'une photo d'elle avec l'acteur américain de 60 ans et son mari, Yahya Boumediene, sur le tapis rouge. Une relation qui a d'ailleurs permis à l'ancienne sportive de décrocher une interview de l'ex de Cathy Holmes, comme elle l'indique par la suite, « Mon interview complète de Tom sera bientôt disponible sur RMC ». Une première rencontre à Wimbledon, ce n'est donc pas la première fois que Marion Bartoli et Tom Cruise se croisent et elle a d'ailleurs expliqué, dans une interview accordée à l'équipe il y a quelques semaines, leur première rencontre. J'étais invité à la finale dame de Wimbledon. En entrant dans la salle du traditionnel déjeuner d'avant-match, il me semble le reconnaître de dos. Juste avant le dessert, le chairman Ian Hewitt fait son discours de remerciement. Il cite mon nom, je me lève, et là, Tom Cruise se retourne. C'était bien lui. Il me regarde et m'applaudit. À la fin du repas, il vient me voir. Marion, je suis tellement content de te rencontrer. J'ai adoré quand tu as gagné ici en 2013. C'était fantastique, raconte la Française. Une belle relation s'est tissée avec le temps entre l'acteur et la joueuse de tennis. Je ne lui écris pas un WhatsApp tous les jours, mais comme il adore Lewis Hamilton et que je suis fan absolu, je le tanne. Il me raconte aussi ce qu'il fait dans ses films, conclut-elle.